La productivité est un concept économique qui mesure l'efficacité avec laquelle l'économie d'un pays convertit les apports en biens et services. Les apports comprennent le travail effectué par les travailleurs, les matériaux et l'énergie utilisés dans le processus de production, et les apports en capital, tels que les machines, les bâtiments ou les terrains. Les résultats sont les produits ou services que nous consommons dans notre vie quotidienne ou que nous exportons vers d'autres pays. La productivité est considérée comme l'un des indicateurs les plus importants d'une économie. C'est en employant de manière plus productive sa main-d'œuvre et ses autres ressources que les pays augmentent les revenus et le niveau de vie de leur population. Aujourd'hui, les économistes utilisent différentes méthodes pour calculer la productivité. L'une des plus utilisées est la productivité du travail. Cette mesure permet d'estimer la valeur moyenne des produits créés par travailleur ou par heure travaillée annuellement dans un pays. Sur les 187 membres de l'OIT, 179 publient des statistiques annuelles sur la productivité du travail. Certains bureaux nationaux de statistiques effectuent des calculs plus sophistiqués qui examinent comment d'autres facteurs de production que le travail contribuent à la croissance de la productivité. La productivité multifactorielle ou la productivité totale des facteurs associe le capital et le travail, ainsi qu'un résidu de productivité, afin de tenir compte d'autres facteurs de croissance économique, tels que le changement technologique. Les gouvernements utilisent ces statistiques pour concevoir et mettre à jour leur politique économique afin d'encourager la croissance économique et la création d'emplois. Plus les statistiques sont détaillées et précises, mieux les décideurs politiques peuvent concevoir des politiques visant à stimuler la croissance de la productivité pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Les statistiques de productivité sont également utilisées par les organisations d'employeurs et de travailleurs lors des négociations salariales au niveau de l'entreprise, du secteur et du pays. Les statistiques de productivité permettent également d'effectuer des comparaisons entre pays et dans le temps, dans des domaines socio-économiques importants, tels que le niveau de vie, l'égalité entre les hommes et les femmes et la disponibilité d'un travail décent. En fonction de leur niveau de développement économique, les pays mettent l'accent sur différents facteurs contribuant à leur performance en matière de productivité. Dans les économies avancées, les offices statistiques et les chercheurs ont étudié l'impact de la numérisation, de la haute technologie et de l'enseignement supérieur sur la productivité. Pour les pays à faible revenu, le développement d'industries ou de services à forte intensité d'emploi, la formalisation des activités commerciales et l'élévation du niveau général d'éducation dominent l'ordre du jour en matière de productivité.